Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Et prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Et prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Je te donne tout. Je te donne tout. Merci Luc pour ce merveilleux chant qu'on ne présente plus aujourd'hui. Je pense qu'il est, il est vraiment connu. Est-ce qu'on te présente aussi d'ailleurs? Allez, un petit peu. Combien de temps tu conduis la louange maintenant? Je m'appelle Luc Dumont. je suis impliqué dans le ministère de la louange depuis plus de 20 ans maintenant. Et même plus que ça encore, ouais. Wow. J'ai plus fait de musique que vécu avant. Ah oui, vu comme ça, c'est quand même pas mal. Écoute, petite expérience personnelle, moi je t'ai découvert assez jeune, je pense comme beaucoup de mon âge, et c'est vrai que tu as vraiment apporté une fraîcheur sur la façon de conduire la louange en francophonie, qui a vraiment été extraordinaire. Moi je me rappelle de toi dans les années 96, si je ne me trompe pas, et c'était pour moi juste, mais c'est qui ce gars? Comment il fait, quoi? Comment c'est, quoi? C'était vraiment génial. Et j'ai aimé beaucoup de tes compositions qui m'ont vraiment fait beaucoup de bien. Et le pire, c'est que lorsqu'on a commencé comme ça, en fait, quand tu participes à une révolution, entre guillemets, tu ne sais pas nécessairement que tu es dedans. Moi, je suis arrivé en Europe avec ma guitare, les chants sur mon cœur, et puis j'ai chanté mes chants, j'ai entraîné les gens dans la louange, comme je faisais à mon groupe de jeunesse chez moi, mais je ne savais pas à ce moment-là que je participais à quelque chose de beaucoup plus grand que moi, un mouvement mondial que Dieu faisait au niveau de la louange. Et donc moi, j'étais moi,
Tu vois, et c'est pour ça que j'encourage beaucoup les gens à être authentiques, à être eux, ouais. être eux-mêmes, à chanter ce que Dieu a mis dans leur cœur, à reproduire ce qui est à l'intérieur d'eux, et être vraiment eux-mêmes. Et donc moi, je suis débarqué ici avec ma guitare, et puis j'ai loué Dieu. Et je prends le chant « Tu es grand Seigneur ouais. », qui a marqué ma jeunesse, et qu'aujourd'hui encore dans mes temps personnels de louange, j'aime encore prendre. Parce que c'est juste un chant qui proclame la grandeur de Dieu, qui est magnifique. Donc j'en profite là pour te remercier encore pour toutes ces années extraordinaires et comment tu as été une source de bénédiction pour toute la francophonie. Et ce chant aussi, du coup. Ouais. Alors ce chant a un peu une histoire particulière. Tu le sors sur un CD qui s'appelle Plus loin. Plus loin. Et du coup... Rien à voir. Rien à voir. En fait, tout à voir, rien à voir, c'est que... C'est que c'est spécial parce que ce chant, Je te donne tout, quand on l'a fait, comme souvent on va faire des chants, on ne sait pas son futur. Et je ne savais tellement pas son futur que je l'ai appelé Je te donne tout, alors que tout le monde par la suite l'a nommé, souvent les gens l'appellent Je te donne mon cœur. Et aussi, l'album s'appelait Plus loin. Donc j'avais aucune idée que ce chant-là. Ferait le tour du monde comme ça. Et il est tellement... En fait, souvent, une expérience que je vis souvent, c'est que les gens connaissent beaucoup plus mes chants qu'ils me connaissent moi. Oui, et j'ai vu qu'il y a quelque chose de très, très fort avec ce chant à l'île de La Réunion, il y a peut-être 2 ans de ça. J'étais à l'aéroport avec un pasteur. Et puis, il y a une dame qui m'a reconnue, tu vois. Et puis, elle était avec son mari et elle a dit « Chérie, si je te donne mon cœur, si je te donne mon cœur! » Excellent. Donc, je n'ai même plus d'identité, c'est méchant. Mais je ne savais pas que ce chant-là, même je ne savais même pas si on devait le mettre sur l'album. Ah oui, carrément. Carrément, je ne savais pas. Je me suis dit « Bon, on va le mettre sur l'album, tu vois. » Mais je n'avais aucune idée. Je ne l'ai même pas... J'ai même pas fait sa promotion, j'ai pas poussé ce chant. Ouais, ouais. Ça a pris peut-être deux ou trois ans après que je me suis dit, mais il se passe quelque chose autour de ce chant. Les gens le chantent, j'entends parler que les gens le chantent, tout ça. Et puis des fois, quand je chante dans les églises, tout le monde le chante. Et c'est là que j'ai commencé à chanter. Ah oui, donc toi, t'avais sorti l'album et t'avais aucune conscience que ce chant était en train de cartonner aucune et de se répandre partout. Quoi. Aucune conscience de ça. Et il y a plusieurs de mes chants que c'est comme ça. C'est-à-dire que j'ai commencé à les chanter parce que il y a un autre de mes chants comme ça que j'ai entendu dans un rassemblement. Je dis mais c'est bon ça. J'ai commencé à chanter. Donc je te donne tout. N'est pas un chant que j'ai poussé. J'ai rien fait en fait. Pour qu'il devienne ce qu'il est devenu. C'est ça qui m'épate tout le temps. Là. Et de voir à quel point que ce chant a été partout. J'ai même fait des tests. C'est-à-dire que je suis allé dans des endroits là, très, très reculés, vraiment, où là, je me suis dit, je vais le tester ici, c'est sûr qu'ils ne le connaissent pas. Et puis, je n'ai pas réussi. Il n'y a pas un endroit où je l'ai fait, où j'ai réussi à le jouer, où les gens ne le connaissaient pas. Et wow. ça m'épate. Je suis épaté. Ouais, c'est plus grand que nous-mêmes. Ouais. Ouais, c'est bon. Et ça, c'est aussi, je pense qu'en tant que compositeur, se dire, Seigneur, c'est vrai, il venait vraiment de toi, quoi. Ouais, il y a des chants comme ça, vraiment divins. Ce chant-là, il a été repris, il a été traduit dans plusieurs langages. Il y a eu plusieurs versions de ce chant. Il y a plusieurs groupes qui le chantent dans leurs concerts. C'est vraiment extraordinaire. Il y a même, en Polynésie, il est chanté dans les boîtes de nuit. Ah ouais. Dans les centres commerciaux, c'est un truc de fou. Ah ouais. Vraiment, c'est un chant comme ça. Je me dis, ça m'en prendrait des dizaines et des dizaines comme ça. Mais je peux pas en reproduire. En fait, tu peux pas décider. Chaque auteur, en général, quand on écrit un chant, on veut tous que ce soit un bon chant qui va bien marcher. Bien mais sûr. La vérité, c'est que c'est pas tout le temps le cas. Et celui-là n'était pas intentionnel. C'est pour ça que ça revient à ce que je disais tout à l'heure en rapport avec l'artiste. Quand je disais, l'artiste doit être authentique. Mais c'est la même chose au niveau de la composition et de ce qu'on écrit. N'essayons pas d'imiter notre artiste, n'essayons pas de faire quelque chose de trop dans une boîte pour atteindre un objectif précis. Tu vois, ouais. Y a des artistes qui font ça et c'est pas une mauvaise idée, mais moi je pense qu'il n'y a rien de mieux que de juste sortir ce qui est à l'intérieur de nous, ouais. De juste créer à partir de la révélation qui est à l'intérieur de nous. Et si Dieu a quelque chose à communiquer, ben il va le communiquer au travers de nous. Et donc, ça me fait réaliser la puissance d'un chant. Ouais, comment un ouais, chant clairement. Peut impacter des gens. Et je trouve ça extraordinaire. Moi, ça me bénit. Il y a plein de gens qui... La phrase classique, quand je suis dans les églises,
Par exemple, quelqu'un va venir me voir, va me dire « Ah, j'aime beaucoup tes chants. Tu sais, en particulier, tu sais ton chant, je te donne mon cœur. » Mais à chaque fois, à chaque fois, ça me fait plaisir. À chaque fois, ça m'encourage. À chaque fois, et je le chante partout. Même si j'ai chanté 1 million de fois, je continue à le chanter parce que ce chant-là, il y a plein de gens qui m'ont dit qu'ils ont été baptisés sur ce chant-là. Il y a des gens qui se sont mariés sur ce chant-là. Ah ouais. Ouais, c'est... C'est extraordinaire. C'est un privilège de pouvoir écrire des chants qui impactent les gens comme ça. Donc, Wow, super. Vraiment une très belle histoire. Alors, ce chant est au-delà de la chanson elle-même, a même un accord. Un accord particulier. Tu le joues, c'est un chant qui se joue en mi. Alors, on a la façon classique de jouer le mi. Ouais. Est-ce que tu peux nous montrer une façon? Un mi classique, c'est comme classique. Ça. Voilà. Mais là, il y a un mi qui est devenu le mi Luc Dumont. Ouais. Ça, c'est le mi. En fait, c'est des artistes, des musiciens qui m'ont dit que, et j'ai entendu plusieurs fois au travers des années, que quand ils font des répétitions, par exemple, et qu'ils veulent identifier un accord, ils disent « Oui, c'est le mi Luc Dumont. » Quand t'as un accord qui porte ton nom, ça veut dire que c'est bon. mais c'est vrai que... En même temps, on entend vraiment la différence entre ce mi-là et le mi classique. Hein. C'est... Ouais. Je te donne mon cœur. Ça marche aussi. Mais tu peux faire... Je te donne mon cœur, c'est tellement mieux. Ah, ça donne de suite une couleur. Et voilà, moi je pense qu'un bon chant contient plusieurs éléments. Mm. Et moi j'aime faire ce truc que je fais beaucoup avec les individus par rapport à des choses. Quand je vois la réussite de quelque chose, que ce soit une église, une organisation, un ministère, quoi que ce soit, un projet, je fais ce de l'ingénierie inversée, ouais. Reverse engineering. Alors, je pars de la fin et je la ramène au début, tu vois. Et un bon chant, si on fait l'ingénierie inversée, c'est qu'il y a plusieurs éléments dedans. Ouais. Que c'est invisible, on le voit pas comme ça, mais c'est plusieurs éléments dedans. C'est une mélodie accrocheuse, c'est des paroles auxquelles les gens s'identifient. Ce chant-là, c'est vrai que quand on chante ça, tu peux pas être... c'est difficile de chanter ça puis penser au four qui est en train de cuire, au poulet qui est en train de cuire à la maison, tu vois. T'es vraiment, je te donne tout, Seigneur, ouais. c'est un abandon. Donc, il y a ça, il y a une mélodie qui est facile à chanter, n'importe qui peut le chanter. Un accord comme ça qui peut-être crée quelque chose, tu vois. Mm. Donc, j'imagine que ce chant contient plusieurs éléments comme ça qui font en sorte que ça a donné ce que ça a donné. Ouais, super. Mais écoute, merci Luc pour ce partage. Merci pour cette histoire. Et je vous invite bien sûr, si vous ne connaissez pas encore ce chant, à le reprendre dans votre église. Je vous mets le lien dans la description qui est juste en dessous de la vidéo. Vous avez juste à cliquer pour avoir la partition. Vous pouvez également acheter l'album de Luc plus loin, dans lequel se trouve ce chant-là, puis les autres albums aussi. On vous dit à bientôt. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Mon cœur est à toi.